Est-ce que vous me recevez? Bon, je sais que vous voulez plus d'informations, mais nous sommes dans le pétrin. Le NOD a fortifié cette tête de pont en X16 et Y42. Les services secrets y travaillent encore et nous ne savons pas grand-chose. Mais nous avons trouvé leur faiblesse. Le commandant Carter et ses torpilleurs peuvent vous débarquer avec vos forces ici, sur la côte. Les armes de ces torpilleurs pourront vous couvrir, mais c'est surtout du travail de soldat. Votre mission est simple. Détruisez les fortifications, éliminez les troupes du NOD et établissez une tête de pont en construisant une base. Bonne chance. Bien joué pour la tête de pont, commandant. Je dois vous faire avancer sur le NOD pour savoir qui sont vos ennemis. Voici Kane, celui qui s'est nommé chef de la confrérie de NOD. Attendez, je vais vous relier. La situation est critique. Vous voulez savoir pourquoi il bloquait cette plage? Il protège une grosse raffinerie de tibérium que nous n'avions pas repérée! J'ai besoin de renforts. Les troupes du NOD sortent de leur base et encerclent nos positions. Nous devons détruire cette raffinerie et éliminer toutes les forces du NOD avant de perdre nos positions. Je ne sais pas combien de temps nous tiendrons. Bon Dieu! Vous avez entendu? Qu'est-ce que vous attendez? Je sais que j'ai promis plus d'informations sur Kane et le Nod, mais nous verrons cela plus tard. Carter dit que vous êtes un vrai guerrier. Bien joué. C'est ce qu'il nous faut encore. Quelque part dans cette zone, il y a une base du Nod. Elle est protégée des attaques aériennes par des sites de missiles SAM. Détruisez-les pour que le colonel Morelli puisse intervenir. Son soutien aérien vous aidera à capturer la base. Je serai absent 2 ou 3 jours pour mes devoirs civiques aux Nations Unies. Je compte sur vous. Delta Sierra Echo au commandant, j'approche de notre prochain objectif. Bienvenue dans la jolie ville de Bialystok. Joli site, non? Un SOS venant d'ici signalait des forces du NOD en route. Je n'ai pas eu Shepard, je ne peux pas confirmer, mais j'en suis pratiquement sûr. Shep voudrait que vous preniez Bialystok avant le NOD. Des renforts sont en route, mais je ne sais pas quand ils arriveront. À vous de jouer. Vous y allez. Delta Sierra Echo au commandant, j'approche de notre prochain objectif. Nous sommes en train de franchir la frontière et il y a un problème. Le NOD a attaqué un de nos convois et a filé avec un bon stock de barres de granulés activées. Vous pensez que ce n'est pas grave, hein? Eh bien, ces barres sont la première étape de l'assemblage d'une arme nucléaire. Nous devons les récupérer. Shepard est injoignable et nous agissons sans confirmation, mais je suis sûr que c'est trop important pour attendre. Entrez avec vos hommes dans le camp Nodi et récupérez ces barres avant que leurs zincs viennent les prendre. Les barres étaient emballées dans des caisses. Le Nod n'a pas eu le temps de les transférer, mais qui sait? Ouvrez bien l'œil. Bousillez-les. Les forces du NOD ont gravement endommagé une base du GDI dans votre secteur. Il manque cruellement d'armes et d'effectifs. Trouvez cette base et rendez-la à nouveau opérationnelle. Commandant, ici Carter. Cette carte montre votre prochain objectif. Le NOD est bien installé par ici. Il faut absolument que vous...
vous arriviez avec ce commando d'infanterie, quand pour atteindre leur spot d'opération en évitant ce... Il faut juste assez de... C'est la piste que nous... Partons avec... Commandant, y a-t-il eu confusion dans notre directive? Nous vous avons demandé de tout capturer, mais le node est toujours là. Nous pouvons vous fournir une force complète, mais vous devez impérativement achever cette mission. Éliminez les unités du node avec toutes les forces disponibles. Et un conseil. Soyez extrêmement prudent en transportant le tibérium capturé. Il semble avoir des effets négatifs sur certains individus. Terminé. Briefing terrain, conditions défense. Le matériel du GDI dans le secteur 18 doit être réparé d'urgence. Cette mission est d'une grande importance tactique. Les forces du Node menacent toujours Salzbourg. Le GDI doit établir un quartier général pour un déploiement rapide de ses forces. Votre mission, réparer le plus grand nombre possible d'armes terrestres, de véhicules blindés et de bâtiments. Briefing terrain, conditions défense. Menace sérieuse sur la population civile dans le secteur 24. Juste à l'intérieur de la frontière Bratislava. Cette mission est d'une grande importance tactique. Les civils sont malades ou meurent empoisonnés par le tibérium. Le docteur Moebius fait construire un hôpital expérimental. Votre mission, protéger Moebius, son équipe et la population civile à tout prix. Bienvenue en haut de l'échelle, commandant. On n'est jamais vraiment arrivé tant que Kane ne nous a pas envoyé au moins une fois ses ninjas des médias. Je m'inquiète pour Shepard. Personne ne sait où il se trouve maintenant. Ce n'est pas le moment de prendre des vacances. Nous n'avons plus que 60% des effectifs à cause des empoisonnements. Voici votre objectif. Vous avez la rivière Iverienne qui coule ici à environ 6 nœuds, ok? Et ici? Et là? Des bunkers du Node. Voilà ce que vous devez faire. Détruisez les bunkers pour que mon convoi puisse passer à 0200. Vous pouvez lancer une petite attaque de diversion le long des rives si jamais certains des Nodies ne comprennent pas bien. Juste assez pour me couvrir jusqu'à ce que j'atteigne leur base de contrôle. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous asseoir pour voir le feu d'artifice quand mes hommes leur montreront ce que c'est qu'un vrai combat. Terminé. Commandant, ils vous ont possédé. Les Nations Unies n'étaient pas contre moi. Pas unanimement, en tout cas. Mais il fallait jouer à ce petit jeu pour que Kane ressente une illusion de sécurité. J'ai débloqué de nouvelles subventions. Et nous allons cette fois l'écraser pour de bon. Morelli, nous avons de nouveaux jouets pour vous. Vous connaissez les rapports top secrets sur la DAV, le voilà. Je veux que vous et Morelli preniez une paire de ces engins pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Concentrez-vous sur une zone de 50 miles autour de Trieste-Slovénia et voyez ce que vous pouvez repérer. Commandant, les enjeux ont encore augmenté. Un de nos agents, dont le nom est Delphi, a cessé de transmettre au moment où il allait révéler l'emplacement du centre de recherche de Kane. Il fait des expériences sur le tibérium et l'injecte directement dans des cobayes humains.
Delphi connaît aussi l'itinéraire du convoi ultra-secret de Kane vers la Bosnie. Après avoir débarqué sur cette plage et déjoué la sécurité du Nod, trouvez Delphi et, si Kane ne l'a pas tué, notez ces informations. Terminé. Désolé d'interrompre votre briefing, commandant, mais nous avons besoin de votre aide. Kane a découvert que nous cachions Moebius et lance toutes ses forces disponibles dans la bataille. Vous êtes chargé de mobiliser les forces et de conduire Moebius à un rendez-vous avec les hélicos de secours. Moebius est peut-être fou, mais il a la clé de l'énigme du Tiberium. Bonne chance. Voilà la situation. Nous avons coincé Kane dans son laboratoire de recherche biochimique. Vous devez atteindre le labo et le détruire. Nos services secrets savent que Kane est sur place. Une destruction totale est donc impérative. Voilà de quoi vous aider. Nos super techniciens ont terminé les tests préliminaires du canon à ions. La nouvelle génération d'armes de défense stratégique. L'orbite géostationnaire lui confère un facteur de divergence de cible de 8 pour 1. C'est une arme meurtrière, la plus puissante de notre arsenal. Le combat fut long et rude, commandant, et tout se résume à aujourd'hui. Nous sommes avec vous. Bonne chance. Je vous dois des excuses, commandant. Je me suis trompé. Kane s'est enfui du labo pendant la coupure du satellite. Il est rusé, mais ses jours sont comptés. Ses troupes se rassemblent dans ce ravin, ici. Probablement pour tenter un regroupement avec le QG central. Si vous êtes rapide, vous pouvez coincer toute la colonne quand elle passera, pendant que nos stratèges tenteront de localiser cette base centrale. C'est l'heure d'une partie de pêche, commandant. Nous le tenons, commandant. Le temple de Kane et sa base centrale. Cette transmission clandestine d'un agent sur le terrain nous est parvenue il y a juste 5 minutes. Et il n'y a aucun doute, Kane est dedans. Il s'est entouré de sa milice privée spéciale. Ce sera difficile de l'approcher. Quelle ironie, n'est-ce pas? Kane a installé son temple tout près de Sarajevo. Si ce nom vous est familier, c'est parce qu'un autre cinglé y a déclenché la Première Guerre mondiale. Et nous voilà essayant d'empêcher ce cinglé de recommencer. Commandant, vous ne devez pas faire de quartier. Ne soyez pas indulgent envers Kane et ses adeptes. Balayez son temple de la surface de la Terre. Détruisez ce scélérat. Ou périssez en essayant. Ratifié par les Nations Unies, le Groupement de Défense Internationale n'a qu'un seul objectif. Éliminer le terrorisme multinational pour préserver la liberté. La confrérie de Nod est une ancienne société secrète qui garde des liens profonds avec la plupart des organisations terroristes globales. Dirigé par cet homme connu sous le nom de Kane, les objectifs à long terme de la confrérie de Nod sont inconnus. Cependant, leurs récentes activités comprennent une attitude expansionniste dans les pays désaffranchis, des investissements importants sur les marchés mondiaux et une manipulation agressive des mass médias internationaux. «
Ces activités seraient financées grâce au vaste dépôt de Tiberium auquel le Node a accès. Le Tiberium est toujours une énigme pour la communauté scientifique, aspirant comme une éponge des minéraux du sol et ses éléments nutritifs. Le résultat de ce processus d'aspiration unique est la création de cristaux de Tiberium, riches en métaux précieux et pouvant être récoltés avec des dépenses minimes pour l'exploitation minière. Les ruines de Bialystok. Autrefois un village paisible de fermiers pacifiques, aujourd'hui une boucherie. Encore une des victimes de la folie du GDI qui tue l'humanité. Et c'est encore un autre village qui disparaît après l'attaque du groupement de défense internationale et son chef insensé, le général Mark Shepherd. Pour quel crime Bialystok a donc payé de ce carnage? On sait également que les terroristes du GDI étaient convaincus que ce petit hameau servait à la manutention et à l'envoi du Tiberium. Mais quand s'arrêteront-ils? Quand le général Shepherd, avec sa vision d'un ordre mondial, sera arrêté? Ici Greg Burdett à Bialystok. Excellent. Refaites-le en français et en allemand. Je veux 300 copies que nous enverrons à toutes les télévisions d'Europe. Nous avons le satellite pendant encore 10 minutes. Cette caméra tourne, imbécile! Détruisez tous les films sur lesquels j'apparais! Thank you.
Nous sommes gravement... Le temple a été pulvérisé, nous devons fuir cet endroit avant... Chef, le toit a subi des dégâts importants. L'intégrité de la structure est compromise. C'est calculé que le GDI aurait accès à ce centre de commande dans environ 20 minutes. Ils mentent, je vous le dis.
Le GDI ne tue pas les enfants. Est-ce qu'il y avait du tibérium à Bialystok? Et pourquoi avoir choisi Bialystok? C'est la directive des Nations Unies sur l'emplacement du tibérium, n'est-ce pas un autre incident dû à une réaction à de fausses informations? Ken vous traite de tueur et a demandé une condamnation des Nations Unies. Faut-il stopper tout financement? Le marché des céréales de Vienne est le 17e bombardement imputé en un mois aux terroristes du NOD. C'est réuni ce soir à huis clos après les attentats terroristes du NOD en Slovénie. At least your mother tipped well. Unforgiving wilderness. Les nouvelles méthodes de ramassage du tibérium mises en place par la confrérie du NOD ont permis d'augmenter nos profits de 49%. La confrérie de NOD dispose maintenant de près de la moitié du stock mondial connu de tibérium. Ce qui donne à ce groupement proche du terrorisme un pouvoir incroyable sur le marché de l'or britannique. Nous passons maintenant aux informations nationales avec... Et qui a découvert le tibérium a ignoré les journalistes pendant le second sommet de l'impact économique mondial du tibérium à Hong Kong. Le docteur Moebius va probablement tenter de démontrer que les arbres... Alors que les forces du GDI repoussent une autre attaque du NOD, le monde libre retient son souffle. Ici Greg Burdett, quelque part en Méditerranée. Désactivez votre pare-feu.